le haut de ce bateau qui vaut le prix. Un voilier classe 1 mètre, donc voilier de compétition, classe 1 mètre, c'est-à-dire que ce sont des voiliers qui sont, contrairement aux bateaux, de nombreux bateaux exposés, qui sont la reproduction de bateaux existants ou ayant existé, le voilier classe 1 mètre est fait et qui est conçu pour faire des compétitions de voile en modèle réduit. Classe 1 mètre parce que tout simplement que la longueur de la coque correspond à 1 mètre de long. Là, oui, le vent plaque le long de la berge. La surface de la voile. Là, on... Alors, ah, correspond à une jauge précise, une jauge éditée par la Fédération française de modélisme naval. Également un Riva reproduit. Je disais, modèle réduit de bateau propulsé par l'électricité, moteur électrique, batterie plomb, cadmium nickel, NiMH maintenant et même lipo. Maintenant d'ailleurs on trouve plusieurs types de moteurs, plusieurs types de propulsion. La propulsion, ben, soit on achète des moteurs électriques et tout le matériel nécessaire à la propulsion d'un bateau. Dans le commerce spécialisé, il y a au village des commerçants, des magasins de modélisme, vous pouvez aller les voir, vous comprendrez le matériel, la radio, les éléments, ou alors il y a également la récupération pour les gros bateaux comme les chalutiers du genre du Vivaldi là, qui est en train d'être mis à l'eau. Bien là, on utilise des moteurs de ventilateurs de voiture ou lève-vitre de voiture, batterie de voiture, alors là évidemment c'est plus facile pour trouver le matériel. Plus à cette échelle là pour ces bateaux là, le Vivaldi, on ne trouve pratiquement rien dans le commerce, donc il faut tout fabriquer de A jusqu'à Z. On a une petite vedette des affaires maritimes. Là je sais pas Michel, le petit voilier, j'aimerais pas être à bord. Hein. Je pense qu'ils vont avoir le mal de mer quand même. Hein. Semi-immergée, c'est-à-dire que l'hélice n'est pas comme les bateaux, d'autres bateaux complètement immergés, elle est à peu près à la surface de l'eau. Le moteur.
Le moteur électrique, disais-je, est un moteur qui tourne environ entre 15 et 19 000 tours minute. La batterie NIMH, puisque maintenant il existe plusieurs techniques de, comme je disais, de batterie, le nickel cadmium étant en principe interdit depuis juillet 2007. Le NIMH présente par rapport aux batteries cadmium nickel un avantage, c'est que pour la même dimension d'accu, la capacité est pratiquement doublée. C'est-à-dire que si on a un accu de 2 ampères, pourrait peut-être le taille dans le sens du vent, ça serait mieux. Donc le chalutier Vivaldi au milieu du bassin, le gros chalutier que vous voyez. La particularité de ce chalutier, c'est que contrairement à la plupart des maquettes que vous avez vues exposées à l'intérieur de la salle Jean Doucet, qui sont réalisées en bois, celui-ci est réalisé en aluminium. Ce sont des tôles d'aluminium courbées, cintrées et collées sur des couples en bois. Alors c'est un petit peu dommage d'avoir réalisé ce magnifique plateau en aluminium, parce qu'une fois qu'il est peint, on ne voit plus que c'est fait avec de l'aluminium. Mais vous pourrez aller tout à l'heure au stand Jean Doucet derrière, et vous pourrez discuter avec Philippe Magnot, le modéliste qui a réalisé cette maquette. Vous verrez que le treuil est fonctionnel, le radar est fonctionnel, les essuie-glaces dessus sont également fonctionnels. C'est une très belle maquette, c'est je crois la troisième année qu'un modèle expo où cette maquette est en construction, parce que bien sûr il faut...